Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans la chambre de mes garçons que j'ai totalement déplacé, tout simplement. Et je sais que vous aimez les room tours et je me suis dit c'est vraiment vraiment le moment pour vous montrer pour l'installation de la chambre de mes fils, pourquoi j'ai choisi cette installation, etc. Donc est-ce que j'ai envie de changer peut-être plus tard si j'ai... Si j'ai la possibilité, bien sûr, de changer, on va pas tout changer nos maisons d'un coup. L'argent ne tombe pas du ciel, comme je dis à chaque fois. Et faut penser aux dépenses et pas trop, voilà, sur un coup de tête, toujours essayer de changer. C'est vrai que la consommation d'aujourd'hui, les magasins aujourd'hui nous donnent tellement envie de changer tout le temps. La nouveauté, avant c'était la mode des vêtements, maintenant c'est la mode des meubles, des décorations. Et ça va très vite et on a souvent cette envie de changer quotidiennement. Mais réfléchissez, prenez le temps de vouloir changer une pièce ou pas. Dites-vous si ça vaut le coup. Est-ce que les meubles sont, si vraiment vous les avez utilisés depuis longtemps ou pas. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées. Je vais aussi vous parler des accidents ménagers, des accidents avec vos enfants, surtout avec ce genre de lit superposé. Donc ce sont vraiment les accidents domestiques, voilà, moi j'ai dit ménager, je pars toujours de l'autre côté. Bref, les accidents domestiques, je vous tiendrai au courant si je trouve des trucs pour la sécurité au niveau de ce lit parce que je compte acheter un le temps de trouver deux lits, voilà. Le problème, ce lit, je vous expliquerai pourquoi je veux changer de lit, bref. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est assez spécial comme chambre, mais voilà, c'était un peu mon style à moi, comme vous connaissez. Donc je vous emmène tout de suite dans la chambre. Enfin, on y est déjà, mais je vous emmène faire le petit tour. Et voilà, donc vous savez que la disposition a encore changé. Donc avant, j'avais le lit superposé ici. Non, là-bas, ici vous avez la commode, le bureau et là vous avez l'armoire. Ça faisait un peu tout et n'importe quoi. J'ai vraiment vidé, j'ai vraiment laissé de la place, du vide pour qu'ils aient un espace bien au centre de la pièce, sachant qu'elle est bien carrée. C'est une pièce bien grande, bien espacieuse. Avant, sachez que cette chambre, c'était celle de mon mari et de moi. Donc j'avais mon lit là, mon armoire ici. Vraiment tout. En fait, le fait que ma chambre soit plus rectangulaire, c'était très compliqué pour les dispositions pour la chambre des garçons. Du coup, on a pensé plutôt à prendre cette chambre pour eux depuis qu'on a acheté les meubles, qu'on a changé, etc. Parce qu'avant, ils avaient deux lits, comme simples, mais en fait, ils étaient cassés. Enfin, voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai tout changé en 2015, je crois. Ou 2016, donc en 2016, et depuis, voilà, ça a duré. Donc, tous les meubles viennent de chez Ikea, sachez-le. Donc, on commence par cette armoire, qui est une grande armoire très, très simple, qui est blanche et à effet bois. Donc, moi, mes enfants, quand ils l'ont eu, ils étaient vraiment très jeunes. Mon dernier avait 3 ans et demi, 4 ans. Mon grand-fils il était au CE2, CM1. Donc voilà, je me disais que ça suffisait largement. Pour moi, la disposition, il y avait deux portes ici pour mon grand. Et ici, pour mon dernier, je me suis dit que voilà, ça suffisait déjà pour une personne. Donc vous avez des étagères et une penderie, tout ce qu'il faut. Pour mon grand, il a largement de la place. Je me suis dit, il est plus grand, donc plus de vêtements, plus grand, etc. Donc il lui fallait un peu plus d'espace et j'avais choisi, c'est pour ça que j'ai choisi cette armoire. Parce que vous avez un petit côté, c'est tout juste pour un jeune enfant qui avait 3 ans, 4 ans, etc. Et pour eux. Donc moi, tous les mois pratiquement, je fais un tri dans leurs vêtements, surtout au niveau de mon enfant de 7 ans. Parce qu'il grandit très très vite, donc je change vraiment, j'enlève vraiment les vêtements qui lui vont trop courts. C'est vraiment, j'essaie de trier au maximum. Pareil pour mon grand, qui grandit aussi très vite, période d'adolescence. Et voilà, donc en bas, j'ai décidé de mettre les pantalons. J'ai pas encore mis des bacs dans leur chambre. Franchement, leur chambre se range assez simplement, facilement. C'est juste eux, quand ils viennent un peu faire tout et n'importe quoi. Et il manque juste des bacs. Des bacs, ça aidera beaucoup au niveau de la visibilité, au niveau voilà, de la présentation. Et c'est vrai, regardez, il sort un t-shirt, il le laisse
un peu sortir, etc. Donc, avec lui, c'est toujours compliqué. C'est toujours plus compliqué. Les adolescents, vous connaissez pour celles qu'ils en ont. Donc voilà pour cette armoire. C'est vraiment ça. Je voulais quelque chose de simple, pas trop compliqué. Mais j'avoue que maintenant que mon fils va grandir, s'il arrive à ses 10 ans, le mien, l'autre aussi, j'aimerais une grande armoire coulissante à peu près de la même taille que ma chambre pour qu'ils aient chacun leur grand côté. Donc pour qu'ils aient plus de place. Quand une Voilà. armoire a trop de traces, en fait, a trop de choses au-dessus. Je pense aux traces parce que je regardais les traces du miroir. Vous avez beau nettoyer, ma fille a dessiné, ils ont mis un autocollant, j'ai essayé de frotter. Hier, j'ai vraiment essayé de nettoyer, mais bon, voilà. Mais voilà, ça permet d'avoir un coin plus, voilà, c'est plus propre quand il n'y a rien au-dessus de l'armoire. C'est vraiment une chose importante dans une pièce, ça vous aère l'esprit. Plus vous avez de choses au-dessus de l'armoire et plus ça vous... Moi perso, ça me stresse. Donc déjà, il a remis des trucs en haut de mon armoire. Ça m'énerve déjà un peu. Donc je vais profiter de ce petit coin que j'ai laissé pour mettre le tableau de mes deux Donc j'ai enfants. profité de ce petit coin pour mettre le tableau qu'on avait acheté aussi chez Ikea. Donc il est dans un sale état. Je pense au bout d'un moment on va le jeter. C'est un truc qu'on a acheté il y a 3 ans je crois. Et ils s'amusent à jouer à la maîtresse, l'élève, etc. Et ils adorent écrire sur les tableaux. Je vous montrerai ce que mon mari a fait par rapport à ça. Ensuite, j'ai choisi ce bureau de chez Ikea qui est très connu, tout le monde le connaît, il est niveau qualité-prix, il est pas mal et pareil pour la commode, c'est la même que celle que tout le monde a, c'est une commode qui coûte je crois 60 euros, elle coûte pas très cher. J'ai hésité à prendre celle qui est en bleu à peu près comme le mur de la chambre avant c'était blanc. Et marron, je me suis dit bon marron foncé, ils vont dessiner dessus, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ça se verra pas. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs effet bois. Et je me suis dit je prends la même couleur que le meuble, le bureau et la commode. Je me suis dit un peu, il y avait un moment chez Ikea, ils montraient des chambres où tout était, voilà, chaque chose était différente, ça faisait un petit style un peu original et je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui je regrette un peu. J'aurais voulu mettre tout en blanc en fait, mais voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Donc ce bureau est super pratique, vous avez des tiroirs pour ranger les stylos. Je vous avais déjà montré lors de mon rangement, du rangement organisation bureau pendant les vacances, j'avais acheté ces petits bacs chez Ikea, qu'ils y sont, non, chez Action, qu'ils y sont toujours. Ça permet de tout ranger correctement leurs affaires. Ce qui est bien, vous avez tout plein d'étagères et vous voyez l'organisation de mon fils zéro. Zéro chez zéro. J'ai acheté ça aussi chez Action. Il a mis des jeux, des PC, CD-ROM, des jeux, alors que c'était pour les papiers. Ça aussi, chez Action, c'est pour mettre les stylos. Mais bon, il n'y a plus de stylos parce qu'il les perd à chaque fois. Pareil pour ses bacs. C'est pour ranger les papiers importants, les devoirs, etc. Ici. La chaise est de chez Ikea, mais c'est une chaise que je veux garder pour la chambre de ma fille. Mon fils veut une chaise de bureau plus stylée. Et en plus, il y en avait une pas chère il n'y a pas longtemps là chez Action. Faut que j'aille voir si elle y est toujours. Donc voilà, il voudrait bien la voir comme ça quand il va jouer aux jeux vidéo ici. Il est plus à l'aise, etc. Mais de toute façon, je voulais un petit bureau comme celui-ci, tout en blanc de chez Ikea. Mais je suis en train de voir par rapport à la disposition de la chambre de mes filles si je ne mets pas dans le couloir à place de mon coin beauté. Donc voilà, voilà mon petit blabla. J'ai des idées, mais faut du temps et de l'argent, etc. Donc coin avec un télé. En général, il y a la Xbox, mais on l'a retirée. Vous savez, il faut toujours faire attention avec les adolescents. Ça, c'est non-stop et on a décidé de vraiment faire attention à ce niveau-là. Donc, il va vraiment diminuer ses heures de jeu, etc. Donc voilà, dans le petit coin, on met leur sac de cours arabe juste ici pour que ça soit rangé, comme ils ont que le week-end. Une petite poubelle pour les papiers. Et on va arriver au coin pour le sommeil. Donc, ce lit qui vient de chez Ikea, qui m'a fait des frayeurs pas possibles. C'était horrible. Donc, pour la petite histoire. Mon fils qui a 7 ans aujourd'hui, il y a 2 ans, il avait... Non, qui a 7 ans, oui, il avait 6 ans, 5 ans. Il s'est amusé à monter tout en haut et à jouer à Spider-Man. Et il s'est retrouvé à rebondir là-dessus. La tête la première. Il a ouvert sa langue, il était
C'était une catastrophe. Donc, mon mari l'a emmené aux urgences. Apparemment, ça allait. Ils ont dit que pas de souci. Mais le lendemain, il n'était pas bien. Il a vomi, etc. Et j'ai dû recourir aux urgences avec lui. Il a été hospitalisé 2 jours. Suspicieux trauma crânien. Mais ça allait mieux. Ils l'ont surveillé. Tout allait pour le mieux. Alhamdoulilah. Parce que franchement, ça m'a mis des frayeurs bleues. Je voulais virer ce lit, je l'ai toujours là. Il a tendance, il a plus le droit, et tous mes enfants le savent, quand ils ne dorment pas là-haut, personne n'a le droit de monter dans la journée tout en haut. C'est interdit. C'est vraiment, depuis cette histoire, ils ont vraiment l'interdiction de monter tout en haut. Donc voilà. Donc faites très attention si vous achetez des lits superposés, réfléchissez à deux fois l'âge de vos enfants, la hauteur du lit. Donc celui-là, il est assez grand, il est vraiment d'une hauteur plus adolescent, etc. Avant, je le trouvais très joli. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que ça fait un peu prison. Moi, avec le couvre-lit, ça va un peu mieux. Mais je crois qu'il y a des protections qu'on peut mettre sur les escaliers, à mettre dans la journée pour pas que les autres enfants montent durant la journée pour protection. Faut que je regarde sur Amazon ou sur un autre site et je vous en dirai un peu plus si je trouve ceci. Donc vraiment réfléchissez, c'est vrai que pour la place, pour gagner au niveau de la place dans votre pièce, c'est très pratique, mais c'est vrai que c'est des lits plus pour adolescents que pour des jeunes enfants. Surtout comme ils sont vraiment hauts, ceux-là, c'est vraiment effrayant. Donc mon grand d'habitude dort en haut, le petit en bas. Mais ils ont tendance à un jour c'est le grand, un jour c'est le petit. Bon, quand il doit dormir, je le laisse parce que voilà, il s'endort, il va pas faire de bêtises, etc. Mais voilà, la journée, je les interdis parce que si c'est pour jouer ou faire le clown ou faire Spider-Man ou Superman, ils n'ont pas le droit. Donc voilà, faites très attention. C'est là où il y a le plus de risques d'accidents domestiques, c'est vraiment avec des lits superposés. Voilà pour la petite histoire. Donc faites très attention. Je vous parle de mon expérience. En plus, on venait à peine de l'avoir. Il avait à peine 1 an, ce lit. Et vraiment, j'ai eu un regret. Je me disais, voilà, j'ai acheté ça pour que ça fasse pour que j'ai plus de place. Mais finalement, j'ai peut-être failli tuer mon fils, etc. On se met beaucoup de choses en tête. On a beaucoup de remords. Et voilà. Donc il est toujours là, ce lit. Mais voilà, on essaye de faire plus attention. Ensuite, j'ai acheté ces couvre-lits là, il n'y a pas eu juste samedi, je les ai trouvés. Donc, on a tout installé avec les garçons. Je les ai trouvés à Action à 6 euros, s'il vous plaît, le couvre-lit. Donc, c'est super bien quand vous avez deux lits pour assortir ensemble. Et c'était les deux derniers en plus. Deux derniers couvre-lits déjà à 6 euros. Et les deux derniers bleus avec l'effet plume qui va avec le rideau. J'étais trop contente. Je me disais, mais c'est vraiment le couvre-lit parfait avec le rideau de leur chambre. Donc je leur mets, ils ont toujours une petite corbeille pour mettre leur coussin, leur surplus de coussin. Cette corbeille, j'avais acheté pareil chez Action, ça fait très longtemps, etc. Et cette petite corbeille aussi qui est censée être pour les linges sales. Donc là, j'ai mis les couvre-lits, etc. Mais normalement, c'est pour les linges sales. Donc voilà, pour éviter qu'ils jettent dans l'armoire, qu'ils jettent un peu partout, etc. Et maintenant, on a toute la place maintenant pour jouer, pour s'asseoir, voilà, au lieu de monter là-haut pour jouer, ils peuvent s'étaler ici, jouer au sol, faire ce qu'ils veulent dans leur chambre. Donc je trouve ça beaucoup mieux comment c'est disposé comme ceci. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Likez si la disposition de cette chambre vous plaît. Et mon mari a accroché ce grand tableau. C'est des tableaux plus pour les sociétés, les entreprises, etc. Donc il l'a accroché juste ici pour que les enfants puissent dessiner parce que ma fille a tendance à dessiner là. J'ai nettoyé avec l'éponge magique à dessiner ici et il s'est dit donc voilà en espérant qu'elle ne débordera pas et qu'on la retrouvera pas ici. Il s'est dit voilà pour qu'ils s'amusent et pareil leur jeu maîtresse. On joue à l'école, on joue à la maîtresse, etc. C'est vraiment top. Donc voilà, vous voyez déjà que ma fille elle a dessiné ça. Mon autre fils avait un petit dessin et même pour les petits rappels, je dis à mon grand de noter tout ce qu'il doit pas oublier le lendemain dans ce grand tableau. Et ici, on a mis un porte-manteau, pareil, qui vient de chez Ikea. Et je ne comprends pas pourquoi ces trucs sont tordus. Pour accrocher leur veste qu'ils ne mettent pas tous les jours.
Donc voilà, il y a la veste de printemps, les petites vestes, j'ai déjà trié hier parce qu'il y avait encore des manteaux qu'il ne mettait plus du tout. Donc voilà. Voilà pour la vidéo room tour de la chambre des garçons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées, que je vous aurai donné à réfléchir à acheter ce type de lit si vous êtes tenté. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour des ados, des pré-ados, que pour des enfants en bas âge. Voilà, mon fils, je me suis dit que ça allait aller, mais finalement, on a quand même frôlé la catastrophe. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse un room tour aussi de la chambre de mes filles, laissez aussi des pouces bleus, des commentaires. Dites-moi si vous êtes intéressé, etc. Comme ça, je vous explique un petit peu tout, pourquoi j'ai disposé comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin voilà, parce que vous me posez souvent des questions pour certaines choses. Mais voilà, il y a les pyjamas de mes garçons en fait qui traînent depuis avant. J'ai dit que j'allais les ranger sous leur coussin. Donc, petite astuce aussi, si pour chaque matin, quand vos enfants se changent et mettent leur pyjama, dites-leur de plier leur pyjama et de les mettre sous leur coussin, en fait. Juste en dessous, comme ça, ils le récupèrent le soir et ils pourront se changer et poser leurs vêtements qui sont encore propres, s'ils ne sont pas propres, sur leur bureau ou sur leur commode. Donc voilà, astuce du jour, bonjour! Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!